cette discussion en duo aussi, pas loin, sur les entreprises qui doivent se réinventer. Donc Jean-Christophe Puat de Huibilong et Didier Delcourt de Renault. Merci. Bonjour à tous. Je me présente Jean-Christophe Huat, donc président et fondateur de Huibilong. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Delcourt, donc manager innovation chez Renault. Didier, je crois que tu as du son. Ah, bonjour, oui, c'est bon. Très bien, merci. Très bien. Je crois qu'il faut appuyer sur ce petit bouton pour avancer. C'est ça. Très rapidement, je vous présente qui est Huibilong. Nous sommes une plateforme SaaS de commerce collaboratif. Notre mission, c'est d'organiser la collaboration entre les marques et leurs clients. Et actuellement, nous gérons à peu près 15 millions de clients pour une quarantaine de marques et de distributeurs de services et de produits grand public. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment les entreprises se réinventent ou peuvent se réinventer dans un contexte d'innovation très important. Et c'est pour ça que Didier est venu nous parler. Donc, aujourd'hui, Didier, les innovations pleuvent, comme à Gravelotte. On invente aussi bien de nouveaux usages, de nouvelles technologies, de nouveaux entrants. Tout ça crée une espèce de brouillard. Comment tu vois ça, toi, en tant que membre de l'équipe d'innovation de Renault ? Bon, ouais, c'est vrai que on le constate tous, l'innovation, il y en a dans tous les sens. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais tout le monde en parle, tout le monde en fait. Et on est un peu dans le brouillard. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'avais. Donc, lorsque tu m'as proposé de parler de finalement comment, par quel bout il faut le prendre et comment on le met en place, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai essayé d'y répondre avec beaucoup d'humilité, parce que le sujet n'est pas simple, surtout en 20 minutes. Mais c'est vrai que souvent, je pense à la situation dans laquelle on est, à une espèce de tremblement de terre. Je me suis souvent posé la question, je ne sais pas si vous vous êtes posé aussi, imaginez que là, maintenant, là, au moment où je vous parle, il y a un tremblement de terre. Vous allez penser à quoi ? Est-ce que vous allez penser à vous sauver, vous, ou à sauver la petite dame qui est enceinte juste à côté de vous ? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre un acte réflexe et un acte réfléchi. Tu me laisses une seconde. Qui sauverait la dame enceinte ? Personne. <donc. rire> Non, mais c'est vrai que c'est une question simple. C'est que dans les moments de panique, finalement, on perd de l'oxygène dans le cerveau. Toi qui aimes beaucoup le cognitif, je sais que tu sais de quoi je parle. Et dans ces moments-là, lorsqu'on manque d'oxygène, on ne sait plus quoi faire. Et ça part dans tous les sens. Donc c'est vrai que, bon, moi je suis sur Twitter, Facebook, etc. Les buzzwords, j'en vois passer dans tous les sens. Mais concrètement, des vraies innovations, j'en vois pas tous les jours. Donc, voilà. Ton point, c'est de passer de l'acte réflexe à l'acte réfléchi. C'est comment fait-on finalement pour passer de cette ambiance chaotique et donc d'acte réflexe à des actes réfléchis. Oui. Donc une illustration. Oui, j'ai mis cette illustration. Enfin, je vous ai proposé cette initiation parce que en fait, elle montre bien dans le contexte dans lequel Renault se trouve aujourd'hui, mais comme toutes les grandes entreprises, c'est-à-dire que nous, ça fait 120 ans qu'on construit, qu'on fabrique des voitures et qu'on les commercialise, et je dirais qu'on est plutôt assez solide. On a traversé plusieurs épreuves lourdes, on a connu plusieurs évolutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on risque d'être disrupté par des roseaux qui inventent qui ont des innovations comme ça, qui ont des idées, qui ont une vraie appétence client et qui effectivement nous contraignent à réagir vivement pour ne pas être Airbnbisé. D'accord. Ouais. Et donc ça s'incarne comment ruptures, ces changements dans le monde de l'automobile. Bon, plus spécifiquement, bon là, ce que je vais vous dire, c'est un peu bateau parce qu'il faudrait vraiment du temps pour expliquer tous les bouleversements qu'il va y avoir dans l'automobile. Je dirais que pour un public non averti, ce qu'il faut retenir, c'est que la voiture, effectivement, elle va passer du véhicule polluant au véhicule non polluant, donc zéro émission. On sait ce qu'on va voir avec le véhicule électrique. Une fois qu'on a dit ça, il va aussi être connecté. Bon, on commence déjà à voir dans les véhicules beaucoup d'interfaces qui permettent de brancher son iPhone, etc. Et puis, elle va devenir autonome. Et donc là, c'est vraiment une grosse évolution, un gros bouleversement pour nous. Sur l'électrique, une marque que tout le monde a en tête, évidemment. Alors, oui, j'ai mis cet exemple-là parce que c'est celui que connaît tout le monde. Il n'y a pas que celui-là.
Mais c'est vrai que, je vous l'ai dit, on est habitué, nous, à évoluer. Ça fait 120 ans qu'on est dans l'évolution. Le passage au 100% électrique, c'est une vraie révolution parce que c'est la première fois qu'un constructeur propose un business model sur un concept quasiment unique, hein, et en plus sur un segment premium. Donc ça, c'est un vrai défi, ça. Oui, c'est un vrai défi. Et puis c'est vrai que quand on voit la capitalisation boursière de Tesla, c'est ça qui est un peu particulier aussi, c'est que les business models changent, les investissements changent aussi. Aujourd'hui, on a le sentiment que ceux qui connaissent le futur, en tout cas qui revendiquent le connaître, et qui surtout revendiquent le fait de pouvoir vous y emmener, c'est ce que fait Tesla, c'est ce que fait Uber aussi, eh bien, ces gens-là attirent les capitaux. Et c'est peut-être que nous, le vieux chêne, on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Alors, c'est tout le sujet, justement. Alors, il y a d'autres challenges pour le vieux chêne? Le d'autres challenges, oui, c'est qu'on avait l'habitude de vendre des véhicules sur des, je dirais, sur des arguments classiques qui étaient liés, effectivement, un véhicule économique, un véhicule confortable, un véhicule, pourquoi pas, sportif. Donc ça, c'était, je dirais, les arguments produits de base. Demain, comme l'aspect, je dirais, conduite de la voiture va disparaître, on va avoir d'autres arguments qui vont être à l'intérieur d'une voiture qui va rouler toute seule. Donc j'aurais pu la conduire, du coup, je vais chercher à être relax. Je vais chercher, bien évidemment, à pouvoir y travailler, parce que déjà aujourd'hui, on utilise beaucoup le smartphone dans la voiture, donc vous imaginez ce qu'on fera demain. Et bien évidemment, on cherchera à se divertir, à regarder des films, à jouer, etc. etc. Donc c'est de la disruption, c'est plus que de évolution, révolution, disruption, là c'est vraiment un truc... Et ça ne touche pas que le véhicule en lui-même? Non, bien sûr, il n'y a pas que les produits qui sont touchés, il y a également les services. Bon, nous, on n'a pas qu'un service qui est la prévente, hein, on fait du financement, on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est les services qui sont associés aussi, qui sont rentables pour les entreprises, ils sont aussi confrontés au même contexte. Bon, là, j'ai mis quelques exemples de start-up qui se sont lancées dans des plateformes d'entretien prédictif, hein, donc ce sont des nouveaux entrants, ce sont des roseaux, hein, qui arrivent comme ça avec des nouveaux modèles et qui effectivement s'attaquent auprès des deux tiers de la rentabilité des constructeurs. Donc ils ont peur de rien et ils y vont. Donc, voilà, mais le vieux chêne résiste, je crois. Alors le vieux chêne résiste parce qu'en fait on est obligé de se remettre en question, notamment sur la qualité, et la seule réponse que l'on ait là tout de suite, dans l'urgence, dans le tremblement, c'est de dire faisons bien notre travail et faisons-le de mieux en mieux. Et en faisant ça, c'est quand même reconnu et ça continue à payer parce que au moment où je vous parle, on ne vend toujours pas de voitures sur Internet et on ne les répare toujours pas à distance. Donc aujourd'hui, notre business, il se fait toujours chez les concessionnaires et l'argent, il rentre bien par là. Le tiroir caisse, il est bas. Donc c'est vrai qu'il y a ce risque de révolution et bien évidemment ce risque de disruption. Mais aujourd'hui, il faut faire notre travail et bien le faire. Ouais. Et donc, c'est reconnu. Et pour l'instant, je dirais que ça ne... C'est un grand message que j'ai retenu en préparant avec toi cette présentation. C'est le mot lucidité. Oui, je pense que c'est... Alors, si je t'en parle aussi bien, c'est parce qu'on a connu des phases où on ne l'a pas forcément été. Hein. On est rentré dans... Mais en prenant un café tout à l'heure... On parlait de ça aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont la course à être dans le vent. Quoi. Il faut faire comme l'entreprise. Et donc, dans des entreprises comme les nôtres, il suffit qu'il y en ait un qui ait une idée, surtout si c'est un patron, il suffit qu'un patron lève la main en disant « nous, il faudrait qu'on fasse ça », et tout le monde derrière s'aligne pour le faire. Donc, il y a une espèce de course à l'échalote comme ça, où on fait de l'innovation dans tous les sens. Et ça amène du brouillard. Et donc, je dis attention au brouillard, parce que le brouillard, ça amène pas forcément de l'efficience, et ça coûte cher. Alors donc là, on en revient à la question qui motive cette session. C'est comment innover, comment se réinventer dans ce milieu très concurrentiel. Bon là, je fais un gros clin d'œil à mon ami et mentor. Mais c'est vrai qu'en parlant avec lui tout à l'heure, il a bien défini ce que c'était qu'innovation. L'innovation, c'est pas que technologique, c'est avant tout une idée. Alors une idée qui bien évidemment correspond bien souvent à un besoin, il faut qu'elle ne tombe pas comme ça du ciel, cette idée, qui trouve forcément un marché et qui va faire changer les usages. Alors bon, il y a effectivement l'exemple de l'iPhone, mais il y en a plein d'autres, hein, où un nouveau produit comme ça va changer. C'est vrai que la voiture, en son temps, c'était une vraie innovation. Hein,
C'est Ford qui disait que si on lui avait posé la question de savoir comment il fallait, qu'est-ce qu'il aurait fallu inventer pour améliorer la mobilité, il aurait dit on m'aurait proposé des charrettes à 5 roues. Quoi, où, et pas des voitures, et pas d'automobiles. Non, bien sûr que non. Ouais. Alors, quels sont les repères que tu proposes donc, par rapport à cette logique de réinvention? C'est tout sauf le Big Bang, en fait. Oui, donc bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Après, c'est concrètement comment on le fait. Mais la première dans ce tremblement de terre, en fait, je pense qu'il faut avoir la lucidité de bien comprendre ce que sont nos besoins. Dans nos entreprises, en tout cas, on a remis à plat toute la customer experience, tout le parcours client, en fait, et vraiment, quand je dis qu'on le remet à plat, c'est qu'on l'étudie vraiment dans le détail. Bon, nous, c'est devenu tellement commun qu'on s'en rend même plus compte, mais c'est vrai que bien regarder ce qu'on appelle le purchase funnel et regarder à l'intérieur de ça quels sont les pain points, c'est hyper important. C'est-à-dire comment finalement les clients arrivent à avoir l'idée d'acheter une voiture et particulièrement une Renault et comment on en arrive jusqu'à la transformation. Et à l'intérieur de ça, quels sont les bloquants? Donc ça, c'est vraiment le travail qu'il faut faire, parce que c'est ce qui va, donc j'ai mis là, être customer-centrique, parce que c'est un terme qui est employé régulièrement, mais c'est vraiment la première démarche à bien mettre en œuvre. C'est-à-dire que bien regarder, finalement, il y a des choses qu'on fait bien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et une fois qu'on a dit ça, c'est de ne parler qu'avec des data, de ne pas avoir d'idée, en fait, finalement. Ouais. De s'autoriser à ne pas savoir. Ça m'a frappé, tu dis ne pas avoir d'idée, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Oui, voilà, c'est moi, quand je vais chez mon médecin, il commence d'abord par me faire une vraie auscultation, il regarde ce que j'ai, et c'est une fois qu'il a pris ma tension qu'il me dit si je suis malade ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticipation. Donc ça, c'est aussi chez nous un peu, culturellement, passer de la culture un peu latine où on parle, à parler avec des data, c'est difficile à mettre en œuvre. Donc là, on mesure le parcours client, on l'évalue, et à partir de là, on a des data, et à partir de là, on met bien en évidence les pain points. Une fois qu'on a mis bien ces freins, en fait, dans le parcours, on va les prioriser, puis on va les traiter un par un. Et puis, par rapport à ça, ben c'est tout simple, c'est où on a la solution. Donc nous, il se trouve qu'on est quand même une entreprise riche, on a déjà tenté plein de choses. Les gens qui ont travaillé avant nous n'étaient pas forcément plus idiots que nous. Donc il y a déjà de l'expérience dans l'entreprise. Et donc du coup, allons chercher déjà dans ce qui existe, mettons-le et faisons-le correctement. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a un pain point où on n'a pas de solution, on a un vrai besoin d'innovation. Et donc voilà, c'est à partir de là qu'on peut écrire une vraie stratégie simple et lucide, oui, et de la partager. Et là, ta recommandation, ce n'est pas du top-down, c'est partir. C'est pas du top-down, c'est qu'en fait on se rend compte aussi, ça aussi c'est un changement de culture au niveau de l'innovation, c'est que c'est simple, il y a plus d'idées dans 120 000 cerveaux que dans un, nous on a à peu près 120 000, mais personne ne peut s'auto-proclamer savoir à lui tout seul et d'avoir l'intelligence de couvrir, il est nécessaire de développer une intelligence collaborative forte. Ça veut dire d'impliquer dès le départ au travers de workshops, au travers de partager les pain points, hein, de bien partager avec tout le monde. Je parle un peu comme ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est vrai que les grandes entreprises sont souvent silotées, on parle rarement de ce qui ne va pas bien, on échange rarement, et ça se trouve, la solution, c'est le voisin du département à côté qui l'a. Donc c'est vrai que mettre une intelligence collaborative qui tourne autour de workshops, c'est très important. Ne pas hésiter à mettre aussi en avant ce qu'on fait de bien, parce que dans ce brouillard et dans cette espèce de course à l'échalote, on oublie souvent qu'on a fait des choses qui étaient bien. Donc ne pas hésiter à les mettre en avant et à capitaliser dessus, on ne le fait pas suffisamment. C'est pour ça que oui, j'ai souhaité reprendre ton exemple, parce qu'on pourra en parler plus en détail, mais ça c'est un bon exemple, comment dans une start-up qui propose une prestation comme la tienne, on parvient à la mettre dans une grande entreprise comme Renault. Et puis enfin, mettre en avant ou mettre en valeur les innovateurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut mieux les rémunérer ou qu'il faut en faire des stars, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste que culturellement, je pense qu'il faut arrêter de penser que ce sont des poils à gratter. Souvent, avant les innovateurs et les entreprises, c'était le poil à gratter des grands. Ouais. Voilà. C'était pas trop corporate, ils étaient un peu. Voilà. Bon. Là, je pense qu'il faut les remettre en avant, parce que je pense que ce sont par leur intermédiaire qu'on apporte de la lumière et que voilà, ils apportent de l'énergie. Et que, ça, il faut le. Ça, c'est une richesse pour l'entreprise, bien évidemment.
Et donc 3, tu dis oser, c'est là qu'il faut Français. Après, bon, une fois qu'on a dit ça, c'est que du théorique, c'est pour ça qu'on va passer peut-être au concret. C'est, ouais. Après, on le fait, quoi. C'est-à-dire qu'après, il faut tester, il faut s'affranchir des barrières culturelles. Encore une fois, ne parler qu'avec des datas. C'est vrai que moi, quand on a vu ta prestation, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions. Culturellement, c'était pas du tout dans le truc. Ben voilà, on va tester, on va regarder, et puis il faut. C'est ça, j'ai retenu de tester sans avoir peur de se tromper. Oui. Et point important, savoir collaborer avec les innovateurs que sont les startups. Oui, évidemment. Oui. Oui, parce que c'est des paradigmes qui sont complètement différents, et on n'est peut-être pas suffisamment agile et souple pour pouvoir nous travailler avec des petites startups. Ça mérite aussi d'être bien travaillé. Là, nous, on a des vraies actions de travail à ce sujet. Hein. Bon, on n'a peut-être pas le temps d'en parler maintenant, mais. Et donc, on peut prendre l'exemple de la collaboration entre Dacia et Webilong. Oui. Donc, je te laisse présenter un peu l'intuition qui t'a amené à collaborer avec nous. C'est pas qu'une intuition, mais c'est vrai que dans nos métiers, on est curieux. Je vous l'ai vu, dans ce qu'il faut faire, il faut bien sûr être curieux. Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, déjà. C'est être en éveil sur tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que lorsque Amazon est arrivé, bien avant même que ça soit Amazon, il y avait quand même des fortes présomptions sur le fait que le business de la grande distribution soit disrupté. Et donc, c'était regardé de très près, bien évidemment. Et à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui était vraiment breakthrough par rapport à ce qui se faisait d'ordinaire, c'est que Jeff Bezos, il avait d'ailleurs fait une intervention qui était assez remarqué et qui a été beaucoup relayé dans la presse, où il disait, moi, mes clients, ce sont eux qui sont mes vendeurs. Quoi. Et j'ai trouvé ça assez incroyable. Et donc, c'était quoi sa prestation? C'était de ranker en fait, chacun de ses produits et de faire en sorte que l'avis de ses clients soit publié. Donc voilà, donc, à partir de là, ce qui est valable pour la grande distribution, est-ce que ça l'est pour l'automobile, pour la distribution automobile? Donc c'est la question qu'effectivement, je m'étais posée à cette époque-là. Ça a pris du temps. Et puis... On s'est rencontrés et la solution qui nous a été proposée était tellement simple à mettre en œuvre. Ce roseau-là, il était tellement facile à implémenter que finalement, on l'a testé rapidement. Voilà. Donc c'est le fameux Ad Canoner donc pour faire des clients Dacia leurs premiers vendeurs. Alors, oui, c'est ça. Les résultats ont été bons, mais ce n'est pas plus là le sujet quelque part. Hein. Alors, le vrai sujet, c'est que culturellement, c'est un constructeur automobile a des discussions tous les jours avec ses clients, parce qu'on a des problèmes de SAV, mais comme tous les grands industriels, forcément, qui font des produits manufacturés. Et en fait, c'est une relation qui est intime. C'est un peu comme quand on a des relations de couple et on se dispute un peu. On n'a pas envie de mettre ça sur la place publique. Donc, ce qui se fait en termes de relations, on va dire client-fournisseur, c'est vraiment de l'intimité. Et on ne le partage pas. Et ce que proposait en fait Webilong, c'est que ce soit nos clients qui parlent de nos produits, et ça, de le faire en public sans filet. C'est un peu chaud. Oui, c'était pas évident c'était culturellement. Non, culturellement, c'est pas gagné. Non. Mais bon, ceci dit, on l'a fait. On l'a fait sans dépenser beaucoup d'argent, sans modifier nos organisations, nos structures. Donc on a fait ce qu'on appelle un POC. Voilà, et les résultats, ils ont été très très impressionnants. Bon, on les a détaillés ce matin en workshop, mais c'est vrai que c'est nos clients parlent généralement bien de nos produits. Bon, il faut dire que ça part d'un bon sentiment puisque on les sollicite pour qu'ils s'entraident. Et quand on entraide, on a le mindset qui est plutôt bien orienté. Positif. Ouais. Voilà, donc on a très peu de, je crois que c'était de 98%, j'ai pas, voilà, 98% des clients sollicités restent dans la communauté et communiquent de manière très positive. Ouais, c'est... Oui, on a donc réussi à mobiliser vos clients. Oui. Mais là où tu dis toujours pour prolonger la discussion sur la réinvention. On a testé, ça a marché. Voilà. Maintenant, c'est une autre étape qui commence et qui est aussi challenging. Oui. C'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé ce nouveau concept, il faut arriver à le normaliser. C'est-à-dire qu'avant d'industrialiser quelque chose, il faut que ça en devienne une norme. Et donc, aujourd'hui, la volonté, la décision d'ailleurs est prise, c'est que nous allons normaliser ça pour Dacia. Donc, sur tous les sites, il y aura cette prestation Ad Canoner. Ça, c'est devenu une norme. Mm-hmm. Voilà, c'est décision de marque.
Et à partir de, alors, à l'intérieur, évidemment, ça paraît simple. Ça ne fait qu'un mot sur un slide, mais c'est très long pour en arriver là. Une fois qu'on a fait ça, on peut rentrer dans l'industrialisation d'interface avec sur les sites internet, etc. D'accord. Et donc là, effectivement, c'est de nouveaux défis dans le cadre de cette réinvention. On source une innovation, on la teste, elle fonctionne. Et là, on rentre dans une autre phase. Voilà, et on retrouve la discussion entre le réseau et le chaîne. Là. Oui. Comment industrialiser les aspects légaux, achats, etc. Alors oui, alors après, on rentre dans la grande, dans la grande mamaille, à commencer par le légal, parce que c'est vrai que là, on touche, on touche quand même aux data privacy, etc. Donc là, il y a une lourde action à mener. Il y a une lourde action à mener aussi avec la direction des achats du groupe, etc. Donc oui. Après, là, on rentre dans un autre niveau, mais ça va se faire. Il y a aucun. Maintenant, c'est à partir du moment où c'est une norme, ça n'est plus discuté dans l'entreprise. Très bien. Donc ce que je retiens, Didier, c'est pas d'acte réflexe, c'est plutôt faut sauver la femme enceinte, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, c'est essayer de retrouver de la lucidité. Et finalement, quand on regarde bien, c'est pas si compliqué. Très bien. Merci beaucoup, Didier. Je t'en prie.